j'ai rencontré Elias. C'était les tout débuts, donc j'avais mes mélodies. Lui, il a trouvé les notes de guitare. Et en même temps, on a enregistré un album. Donc quand les trois autres sont arrivés, il y avait déjà un album qui existait. Ils ont commencé avec ça et puis ils se sont accommodés à la musique. Ils commencent à bien la comprendre. Donc maintenant, ils ajoutent leur personnalité à eux. Chacun apporte nos influences. Moi, je suis normand, et donc forcément, entre Serge, Georges, Elias et moi, on a des influences différentes. Et puis nous, même qui sommes africains, tous les trois, là, on vient des pays différents, donc on a des cultures musicales complètement différentes. Il y a des rythmes qui se ressemblent. Bonobo, c'est du 6-8. T'as envie de t'appeler qu'il y a du 6-8. Sauf que la pulsion n'est pas pareille. Donc moi j'apporte mon côté 6-8 béninois. Lui il apporte son côté 6-8 sénégalais. Eux ils apportent leur côté 6-8 vals. Que cette musique n'est pas évidente, donc je laisse toujours le temps aux musiciens qui arrivent de se l'accaparer, parce que c'est pas une musique que tu fais avec les notes, des machins, il faut vraiment fermer les yeux et se laisser emporter par la musique, laisser la musique vous traverser, et puis après, une fois que c'est fait, quand la mécanique est là, le reste vient tout seul, quoi. Il y a un album qui est déjà composé, mais l'expérience m'a appris que dans ce métier, il faut vraiment faire les choses étape par étape et qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai une équipe de frères là, ça se passe bien. Donc déjà, ça c'est bien.